Le Conseil de sécurité des Nations Unies se dit scandalisé après l'attaque de Mogadiscio. Mercredi, des militants islamistes Chebab s'en sont pris aux locaux de l'organisation internationale dans la capitale somalienne. Ils visaient le bâtiment du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Bilan du ministère de l'Intérieur somalien, au moins 15 morts. Parmi les victimes, 4 agents de sécurité étrangers et le même nombre de gardiens somaliens. Les 7 assaillants sont eux aussi décédés dans l'attaque. Un kamikaze dans une voiture de luxe s'est fait exploser près de la grille d'entrée. Ensuite, d'autres hommes en tenue militaire sont entrés dans le complexe. Des échanges de tirs ont alors commencé, avec des lance-roquettes et des grenades à l'intérieur du bâtiment, et on a même entendu des explosions. Les gens se sont enfuis, mais 3 ont été tués et 2 autres ont été blessés. Après des années d'absence, l'ONU vient tout juste de reprendre ses opérations en Somalie. Son personnel, délocalisé jusqu'alors à Nairobi, se réinstalle petit à petit à Mogadiscio. Il y a quelques semaines, l'envoyé spécial de l'ONU, Nicolas Kay, a ouvert ses bureaux dans la ville. Ce retour semble être le motif de l'attentat. Immédiatement après l'attaque, les Chebab ont questionné l'ONU via leur compte Twitter. Avez-vous toujours l'intention de vous installer à Mogadiscio ? Les Nations Unies n'avaient pas été visées par les Chebab depuis 2 ans, mais l'organisation internationale s'est montrée ferme. L'attentat ne remettra pas en cause sa volonté de s'installer en Somalie.